tous. Un grand merci à notre partenaire. Donc, c'est un ancien partenaire fidèle qui revient avec un nouveau produit. Alors, on vous avait présenté déjà ce partenaire avec cette batterie en 10 000 mAh, qui est fantastique, MagSafe, avec son petit trépied pliable. Hein, je ne vais pas vous la représenter. On vous a fait une vidéo. Il y a même une vidéo de test de puissance qui est en train d'arriver. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle batterie. Alors, la différence entre les deux. Celle-là, elle n'a pas le trépied. Donc, pour pouvoir la tenir, elle a d'autres fonctions. Là, on avait le trépied. Celle-là, elle n'a pas de câble sur les côtés. Celle-là, elle a des câbles sur le côté. Un câble Apple, Lightning. Voilà, tac, très simple. Et un USB-C. En dessous, connectique USB-C. Donc, en entrée et sortie. Et également, Lightning. Donc, on peut la recharger avec un câble Apple. Et également, on peut recharger des appareils avec USB-A. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Allez, on va regarder un petit peu la pêche qu'elle a. On ne l'a pas encore chargée, elle arrive. Hein. Donc ici, on a le bouton power qui est là. Donc elle est arrivée à la 73% de charge. On ne va pas la vider hein, parce que j'aime pas vider les batteries quand elles arrivent. Je préfère leur mettre un coup de charge avant. Alors, MagSafe. Alors, au toucher, c'est vraiment doux. Ce qui est intéressant, c'est également... On a la partie aimantée qui est en bas qui va permettre tac. Alors regardez, quand on le met en MagSafe, alors déjà on a le MagSafe rapide qui s'enclenche. Là elle est en 15 watts hein. 5, 10, 15 watts. Elle régule automatiquement selon le niveau de charge. Voilà, alors regardez bien quand je le tourne. Tac, vous avez entendu? Elle se positionne. Tac, voilà. Et là, elle est positionnée. Hein. Alors, bon, j'ai une coque RhinoShield qui est vraiment très aimantée. Mais ça tient quand même, franchement. Regardez, c'est un Pro Max. Pro Max, pour ceux qui le connaissent, il n'est pas léger et ça tient. D'accord? Voilà. Alors, l'avantage, c'est que pendant qu'elle charge... le Pro Max, on peut également charger d'autres appareils. Donc là, on va y brancher un mini iPad. Tac, ça charge. On va y connecter de l'autre côté. On va voir si elle prend la charge rapide pour les drones. Donc là, c'est les batteries du DJI Mini 3 Pro. Donc on va voir si ça prend. Donc je vous le mets comme ça vous allez voir. On va voir si elle prend la charge rapide. Tac, ça connecte. Donc si ça bat vite, c'est que ça charge rapide. On va voir. Donc elle charge. Elle mérite de charger. Alors, on est sur le câble de l'autre côté. Alors maintenant, la charge rapide est peut-être sur l'autre partie. On va la charger sur cette partie-là. Voilà. On va brancher la radio RC de DJI. Donc elle demande vraiment de la charge rapide. On va voir si ça la prend. Donc là, elle a reconnu. Elle était chargée. Je crois qu'elle était chargée. Elle était chargée. On va la mettre sur le Mini 3 Pro. Alors Mini 3 Pro, pareil, hein, ça détecte s'il y a une charge rapide. On va voir si elle charge rapide. Donc là, ça charge. Voilà. Bon, en tous les cas, ça mérite de charger. Elle n'est pas en charge rapide, mais ça charge. Alors, nous voir combien ça a consommé. On était à 74, c'est descendu à 69. C'est un peu normal, hein. on est en train de lui en mettre plein à la tête. Hein. Alors, il reste un connectique USB. Allez, on va faire un test pour voir si ça supporte un autre appareil. Alors, elle est chargée. Tiens, on va voir si ça peut lui remettre un coup de boost à cette batterie. Allez, à sa sœur, on va voir si ça charge. Voyons voir. Oui, ça charge. En plus, ça charge. Vous vous rendez compte? Et là, on est à 69. Regardez, on est en train de charger. Un Pro Max, en MagSafe.
batterie de DJI, un mini iPad, un drone, DJI Mini 3 Pro. Et en plus, on recharge une autre batterie, 69%. Ça envoie de la sauce. Franchement, c'est une super batterie. C'est une super batterie. Alors, vous n'avez pas envie de charger votre mini iPad, vous pouvez charger vos AirPods, tac, voilà, ça charge. Vous voyez ? Donc c'est vraiment sympa, hein. Oui, ça charge. La batterie, elle tient le choc, hein, encore 69%, ça envoie de la sauce. Ici, là, on envoie de la sauce aussi. Donc ça charge partout. Donc 1, 2, 3, 4, 5 appareils. On a 5 appareils qui sont en train de se charger sur une petite batterie. Vous vous rendez compte ? 1, 2, 3, 4 avec les câbles, donc 2 avec les câbles fournis, 2 avec des câbles qu'on rajoute, et le cinquième en MagSafe. Pas belle la vie avec une petite batterie comme ça ? L'avantage, c'est que vous pouvez vous balader, vous pouvez facilement la mettre dans une poche, n'importe quoi. À tout moment, vous avez du jus pour pouvoir, 68%. Vous voyez, en plus, elle chute pas beaucoup avec le paquet d'appareils qu'elle est en train de charger. Hein. Alors, il y a une petite carte qui est fournie. Avec, il y a même une application. Donc, vous pouvez avoir. Donc, vous scannez, vous avez les QR codes et tout. Ça vous permet d'aller sur l'application. Donc à tout moment, le service est très réactif. S'il y a un souci avec une batterie ou quoi que ce soit, il y a déjà des petits messages pré-texte en scannant le QR code qui est sur la notice. La notice, elle est dans plein de langues. Donc, vous l'avez. Alors, elle est en anglais. Vous l'avez en allemand, vous l'avez en français, vous l'avez en italien, en espagnol. Oui, vous avez quand même pas mal de langues. Hein. Oui, vous avez quand même de quoi faire. Hein. Voilà. Donc, la notice est vraiment très bien expliquée. Lani, qu'est-ce que tu en penses ? T'as un petit mot, je sens que t'as un petit mot à nous dire. Non, sympathique. non, les petites comme sa sœur, elle a plus de fonctionnalités. Non, sympathique. Très bien. Bon produit. Alors, on a amené. Alors lui, c'est une balance. Parce que lui, il va nous dire qu'est-ce qu'il envoie réellement dans les appareils. Alors, venons voir. Qu'est-ce qu'il envoie dans la batterie? Alors ici, on est à 67%. Alors, venons voir un peu qu'est-ce qu'il envoie. Alors, donc là, on a les câbles de sortie, USB-C, alors USB-C, out, USB-C, il est où? Une pute. Enfin, USB-C input, il est là. Voilà. Et ici. Alors, on va récupérer un câble. Tac. Tac. Voilà. Tac. Et tac, voyons voir combien il envoie. Alors, donc il envoie donc 4,7 volts, 0,471 ampères, et il envoie 2 watts 23. Bon, il charge vraiment lentement la batterie. Bon, les batteries, hein, ça permet de pouvoir lui remettre un coup de sauce. Alors, là on est par le câble. Maintenant, on va passer par le câble d'en dessous. Alors voyons voir, on va aller directement sur l'appareil, on va voir combien il nous envoie.
Alors, hop, on n'a plus besoin de tout ça. Alors, ici, on va le connecter. Voilà, en input. Tac. Et ici, direct. On va voir maintenant par l'appareil combien il nous envoie. Alors, 5V1. Voilà, 5V1. Ça monte. 1A 2, 1A 4, 1A 6. Alors, on va voir si on est en charge rapide là. Non, on est toujours en charge normale. Alors, donc là, il envoie 10 watts. Donc là, il envoie 10 watts. Alors, il envoie, on va laisser revenir sur sa puissance. Voilà, 1A 4, 1A 5, 1A 7, 1A 8, 1A 9, pratiquement 2A, et il envoie 10 watts. 10 watts, ça permet de bien la recharger. Hein. Donc là, ça nous permet d'avoir une batterie donc assez rapidement. Alors, maintenant, on va voir en USB-A combien il va nous donner. Et on va mettre un connectique, tac, USB-A vers USB-C, voilà, toujours sur les batteries de drone, comme ça on aura vraiment le même test, alors voyons voir. Alors, en USB-C ça sort beaucoup plus rapidement, ah ça monte, non, en USB-C c'est plus rapide, on était pratiquement à 2A, là on est à 1A 5, on était à plus de 10 watts, là on est à 7 watts 71. Donc la sortie USB-C, elle est beaucoup plus rapide que la sortie USB-A. Donc c'est un peu logique. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'également, on peut le recharger avec le câble CNIC, le câble Apple. Donc sympa, hein. Et on peut recharger donc les appareils. Alors, on va faire un test. Je vais la remettre en USB-C. Je sais pas si ça va passer avec le input. Donc ça vient là. Oui, ça va passer. On va voir combien elle va nous envoyer. Alors, on va voir combien elle va nous envoyer en même temps que l'on charge le Pro Max pour voir si la puissance baisse. Voilà. Alors là, on est passé à 9V1. 9V1. Donc là, on a de la charge rapide. Et ben là, on voit de la charge rapide. Regardez, ça y est, il est passé en charge rapide. Donc, elle est capable d'envoyer de la charge rapide. Ouais, c'est incroyable. Cette petite batterie qui envoie de la charge rapide dans les batteries de drone. Mes amis les dronistes, vous pouvez embarquer cette batterie avec vous parce que vous êtes en rade, vous avez envie de refaire un petit vol ou quoi que ce soit avec une batterie. Parce que bon, les batteries, elles sont quand même... c'est du... je ne sais plus combien elles font de milliampères sur les... Je vous mettrai la puissance qu'elles ont. Je ne sais plus, ceux qui le savent. Mettez-moi les en commentaire. Moi, je vais quand même vous la rajouter. Hein. Je vous la rajouterai en texte. Alors, regardez ça. Elle vous envoie donc du 9V1 en 1A 6, 1A 8, 1A 9, 2A, 2A 1, 2A 1,65 et 19 watts, pratiquement 20 watts. Donc ça vous envoie pratiquement 20 watts. Le fournisseur, il a annoncé donc sa sortie en 20 watts. Il n'a pas menti, on est à 19,89 watts, 20 watts, hein. On est à 0,11 watts de marge, donc on est vraiment à 20 watts, voilà, 19,90, ça monte, par moment on est à 0,10 des 20 watts, hein. Donc 9V 1, 2A 16, 19,90 watts, donc là ça envoie du lourd. Pour une petite batterie comme ça, franchement, c'est vraiment sensationnel. Alors, on va voir si elle garde la charge rapide en y mettant le Pro Max en MagSafe dessus. On va voir ça. Voilà, c'est parti. Alors, le Pro Max, il va s'enclencher.
Voilà, tac, ça s'est enclenché. On va voir si elle est capable d'envoyer de la charge rapide. Donc là, on est à 5 volts 1, 1 volt 9. Sur le, on est repassé en charge normale. Donc quand vous avez un appareil sur le MagSafe, la batterie elle régule, donc elle redescend à 5 volts 17, 1 ampère 96 et 10 watts 14. Bon, franchement, c'est quand même pas mal. Vous avez une charge MagSafe, vous avez une charge là. Allons voir si on, allez, on va s'amuser un peu. On va y rajouter le drone de ce côté-là. On va voir si elle a encore de la pêche. Donc là, elle re-régule. Donc, hein, elle s'en fout. Elle envoie encore de la pêche. Regardez-moi ça. Hein. Je vais brancher les AirPods. Elle ne branche pas. Je vais brancher le mini iPad. Tac, ça charge. Et franchement, bon là, elle est baissée. Elle a, non, même pas, elle remonte. Elle a baissé, mais elle remonte. Elle charge. Voilà. Et là, elle a 1 ampère 46, 6 watts 3. Alors là, on a un iPad, le Pro Max en MagSafe, le Mini 3 Pro et sa console de charge du Mini 3 Pro. Et... regardez, on était à 2 tout à l'heure au niveau de la batterie. On était à niveau 2. On est déjà passé au niveau 3. Vous vous rendez compte? À la vitesse qu'elle charge. Et on est à 60% en charge de la batterie. Donc, elle ne tombe pas tant que ça. Hein. Donc, elle a quand même une bonne capacité derrière. Elle est quand même capable d'envoyer de la sauce. Hein. Donc, depuis tout à l'heure qu'on fait les cucus, là, on a juste perdu 14 watts. 14% je veux dire de charge, 14% de charge sur la batterie MagSafe, tout en sachant qu'elle a envoyé de la sauce dans le Pro Max, qu'elle a envoyé de la sauce dans le Mini 3 Pro, dans la console de charge du Mini 3 Pro, dans l'iPad et par moment dans les AirPods. Vous vous rendez compte? Oh, c'est un super appareil ça, franchement c'est un super appareil. Alors là, je sais pas si je peux passer si je vais arriver à passer là sans aller allumer quelque chose. Ouais, ça passe. Allez, on va s'amuser à rajouter sa copine. Allez, sa soeur. On envoie sa soeur. Là, hop, elle envoie de la sauce. Alors, nous on voit, elle est descendue. Là, c'est normal, vous vous rendez compte, là, tous les appareils qu'il y a dessus. 4 volts 7, 0,471 ampères. 2,25 watts qu'elle envoie ici, hein, parce qu'on est toujours en train de tester cet appareil. Hein, donc dans là, elle envoie à la batterie, au bloc de charge des deux batteries du Mini 3 Pro, elle envoie 4,7 volts 71, 0,472 ampères et 2,257 watts dans le bloc de charge des batteries, hein, dans la console. Hein. Le reste, j'ai rien testé, hein. J'ai pas mis de testeur dessus. Alors, on va en mettre un. Sauf que là, j'ai pas de mal. Dommage. Moi, j'en aurais mis un, mais là, le problème, c'est qu'il faut que je mette lui, ça passe pas. Et voilà, sur une prochaine. Et ici, ça passera pas non plus. Donc, bon, voilà. Il aurait fallu, non même pas, il aurait fallu des câbles encore un peu partout. Mais bon, déjà vous voyez, hein, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Alors, on va vous faire des tests de charge. On va voir combien de temps elle charge, combien de temps ça tient, si on arrive à tenir la journée tranquille, avec des petits appareils. On va vous remontrer un petit peu comment on peut l'utiliser sous le terrain. Et là, elle arrive, elle est toute fraîche. Toute fraîche. Pour le moment, je ne peux que vous recommander. Pour quelle raison? Parce que déjà celle-là, j'en suis enchanté. Qu'est-ce que tu en penses, Nanny, celle-là? Oh, bien. Hein, bien. Elle est utile, elle est pratique, elle est transportable, elle n'est pas épaisse. À tout ça moment, tient dans la poche, voilà, hein, ça tient la poche. Tac. Regardez, là maintenant, il y a deux batteries. Mmh. On peut se balader avec deux batteries. Vous vous rendez compte? Avec une batterie, on a besoin de faire un support. Tac, on met un support. On a besoin d'un petit coup de charge
Voilà, on est obligé de se balader avec les câbles. Bah là, l'avantage, tac, on n'a plus besoin de se balader avec les câbles. Tac. En plus, ils fournissent des petits câbles. Ils sont vraiment très sympas, ces câbles plats. Donc, c'est tac, tac, quand ça plie, ça prend pas de place. C'est vraiment sympa. USB vers micro USB. Vers USB-C, je veux dire. USB vers USB-C. Donc, très sympa. Ici, on a le USB-C et l'autre côté, le câble Lacmi, le câble Apple. Donc, on a vraiment ce qu'il faut. Quand on est dans l'univers Apple, on a vraiment tout ce qu'il faut. Maintenant, si on n'est pas dans l'univers Apple, bon, le câble ici, Apple, vous servira pas. Mais tout le reste, il va vous servir. Hein. Donc, le sans fil, vous ne serez pas en MagSafe sur les autres appareils. Mais le sans fil va quand même fonctionner. Hein. Et, là, si je mets... si je mets les AirPods dessus, tac, ils s'enclenchent. Hein. Donc, ça marchera également donc pour les appareils qui sont pas MagSafe. Hein, parce que les AirPods, ils sont pas MagSafe. Hein. Voilà, tac, vous voyez, tac, je le mets dessus, tac, voilà, ils se met en charge. Hein. Donc, là-dessus, aucun souci. Donc, la batterie, là, on est à 51%. Donc, quand je vais débrancher, on va bien vous montrer. Donc, on est à 51%. Donc, on a démarré le test, on était à 74%. Et... donc là, la batterie de drone, elle est chargée à 3. Là, celui-là, là, on est sur 3. Alors, voilà, là, ici, on est sur 3. Oui. Tac. Donc, il y a tout qui charge. Là. Là, ça continue à charger. L'iPad également, le mini iPad, ça charge également, 51%. On envoie toujours 4,758 V, 0,473 A et 2,250 W. Donc, moi, pour une toute petite batterie comme ça, regardez un peu le paquet d'appareils que l'on charge. Moi, je fais que recommander. Bon, petit mot de la fin, à tout à l'heure. Bon alors, tac, tac, on a tout débranché. Donc là, la batterie, elle est descendue à 55%. Donc de 74%, on est à 55%. En même temps, ce qui est bien, c'est qu'on sait, il y a un petit test qui nous permet de savoir quand est-ce qu'elle passe en MagSafe. Alors regardez bien, voilà, tac, je connecte le Pro Max en MagSafe. Tac, vous voyez, là, il y a le MagSafe qui vient se clignoter, qui s'enclenche. Voilà, on a eu un... Je remets. Oui. Et quand là, le Pro Max, ça l'a chargé. Hein. Le Pro Max, on est chargé à 100%. Voilà. Tac. Ici, vous voyez, là, il va y avoir le vert qui va apparaître, comme quoi que c'est en MagSafe. Alors, comme tout espèce, ça l'a pas fait. Alors, on va recommencer. Tac, j'éteins. Voilà. Tac. Connecte, il s'allume, tac, vous voyez, il y a le clignotement vert qui s'est mis en MagSafe. Donc là, comme l'iPhone il est chargé à 100%, il est chargé à 100%, 100%, d'accord, donc il n'y a pas le MagSafe enclenché. Dès qu'elle aura besoin de charge, qu'il n'y a aucun autre appareil autour et que la batterie n'est pas sur la position charge, automatiquement, et que la batterie est si elle est en position charge, que la batterie elle n'est pas chargée, elle va donner la priorité au téléphone. Si la batterie elle est chargée, elle enverra de la sauce au téléphone également. Et là, vous allez avoir le MagSafe qui va s'enclencher. Parce que quand la batterie elle est en charge et que la batterie n'est pas chargée, elle n'envoie pas du MagSafe à 15 watts sur l'iPhone tant que c'est pas chargé. D'accord ? À partir du moment où la batterie est chargée, comme là, à ce moment-là, elle enverra. Dans l'autre cas, comme le cas là actuel que l'on est, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de câble de charge, on n'est pas en train de charger la batterie. Et le téléphone il a besoin d'une charge, le MagSafe 15% va s'enclencher. Et comme dans le cas là, le téléphone est chargé, automatiquement, il n'y a pas de charge. D'accord ? Vous voyez le sans fil qui ne clignote pas, et en haut, le logo vert du MagSafe, 5, 10, 15 watts, il n'est pas enclenché. D'accord ?
toute façon, vous allez retrouver tout ça dans la notice. Vous voyez, les câbles se remettent très facilement sur le côté. Voilà, comme ça, vous avez quelque chose qui est propre. En plus, c'est touché. Tiens, touche ta nid, donne tes impressions. C'est doux. On dirait quoi? On dirait du sapin. Ah, on dirait de la peau. Ah. On dirait qu'on touche de la peau. Franchement, c'est un bon produit. Voilà. Bonjour à tous. Donc, on est sur le test panneau solaire. Et donc les charges en solaire batterie, là j'en mets un petit coup de charge sur le SE, c'est lui qui va filmer avec le Home 4 de DJI. Donc j'y remets un petit coup de charge avec la petite batterie là, fort sympa avec les câbles intégrés. Franchement c'est super cool. Là on a un panneau 30 watts qui est en train de charger la première batterie du même partenaire qu'on avait reçu il y a quelques mois, qui fonctionne super bien. Donc là on est en train de lui remettre de la charge. Là on est à, alors ça clignote par rapport, c'est de la LED hein, donc c'est normal. Donc là on est à 24%, mais bon, ce qui est logique puisque quand on filme il y a les LED. J'essaierai de vous remettre un peu en poste si j'arrive à faire quelque chose, mais ça m'étonnerait. Donc là on charge à 24%. On a le voyant vert qui s'est allumé à côté, que vous voyez clignoter, mais bon, il reste fixe. Ça, c'est parce que c'est en charge. Voilà, donc les fameux petits appareils qui vont permettre de savoir combien on envoie. Bon, par contre, au soleil, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire quelque chose en poste, mais c'est pas sûr. Donc, voilà. À de suite. Voilà, donc là, on charge la batterie en solaire, donc 8,6 V, 0,60 A, et je suis désolé, la lumière n'est pas terrible, et en watts, il y a 5 watts, on voit mal, mais il y a 5 watts.